vous voyez que quand on parle de quelque chose plutôt positive, eh ben directement on a plus d'énergie. Vous voyez? Juste, en fait, c'est tout bête, il y a juste à savoir qu'est-ce qu'une pensée. Ça, on ne se pose pas vraiment la question des fois de savoir qu'est-ce qu'une pensée concrètement. Une pensée, c'est simplement une impulsion électrique, ni plus ni moins, qui, par votre colonne vertébrale, va jusqu'en bas au sacrum et va simplement, à chaque fois, donner l'information de la pensée à tout le corps. Et donc, plus on a des pensées dites positives, plus naturellement on a de l'énergie. Notre pensée, notre corps et nos émotions, les trois, la pensée, la structure et nos émotions, en permanence, sont en train d'interagir. Donc si émotionnellement on n'est pas bien, on va avoir une posture qui va être comme ça. Si notre posture est plus comme ça, on va naturellement avoir des émotions qui sont plus, qui sont plus positives, entre guillemets. Tout est tips. Donc pensez à plus parler de ce qui va bien plutôt que ce qui va moins bien. Mais écoutez, c'est parti pour nous. Est-ce que vous êtes prêts à être plus confiant dans le milieu compétitif aujourd'hui? Alors que vous soyez sportif ou pas sportif. Vous êtes prêts? Oui. Il y a du bruit derrière, du coup on va vous demander souvent de faire des gestes ou des choses comme ça pour pouvoir voir. Aujourd'hui, pour appuyer le propos, donc moi c'est Pierre, David le prénom, vous avez le droit de faire l'inverse, vous n'en voudrez pas, ça souvent. Hey, David. Et du coup, donc, j'ai fondé l'Académie de Performance, une entreprise qui aide des athlètes, entrepreneurs, etc. Toute personne qui recherche la performance à être libérée, tout simplement. Et donc moi, je vais vous amener le point de vue théorique. Et à côté, on a Steven à côté, qui va lui venir appuyer par des exemples concrets de son expérience. Donc Steven, peut-être que tu peux te présenter au niveau de ton palmarès. Qui ne connaît pas Steven? Tout le monde, je pense. Ok, tant donc mieux. Une bonne moitié, tant mieux, un peu plus. C'est bien. Bonsoir à tous. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Je m'appelle Steven Sparkley, j'ai 40 ans maintenant, depuis quelques jours. J'ai été sportif de haut niveau pendant plus d'une dizaine d'années en équipe de France de taekwondo. J'ai été numéro 1 français pendant toute ma carrière pratiquement. J'ai été 4e mondial. Je suis depuis 2005, je pense, chez les hommes, la dernière médaille mondiale qui existe. J'espère que ça va changer très prochainement. Il y a les jeux qui arrivent et les mondes derrière. Donc j'espère que les jeunes font ce qu'il faut. J'ai remporté pratiquement tous les Open internationaux qui existent, sauf les jeux. Deux grosses blessures. Donc mentalement, ça a été très dur. Premier croisé à Londres, deuxième prothèse de hanche à Rio. Ceux qui savent ce que c'est que les blessures, c'est pas évident, surtout quand c'est la seule médaille qui manque au palmarès et qu'on va la chercher pendant 4 ans. Il y a un travail qui a été fait derrière, donc voilà. Aujourd'hui, je peux parler de beaucoup de choses parce que je suis content parce que je peux parler de la réussite, je peux parler de la victoire, je peux parler aussi de la défaite. On n'en parle pas assez souvent, mais c'est pratiquement plus difficile de se reconstruire après une défaite que d'essayer de gagner. Donc voilà, je peux amener peut-être des tips sur ce genre de problématiques, surtout pour les compétiteurs qui appréhendent en tout cas le chaos, la défaite, beaucoup de choses. Donc voilà, on a un multi-médaillé avec nous, donc ça va être plutôt cool. Donc vous êtes prêts? Donc partie théorique, on va commencer. Déjà, qui parfois sent comme un petit manque de confiance en soi? Vous savez, des fois les gens ils peuvent vous voir comme quelqu'un de confiant, mais vous sentez qu'il y a une petite faille, vous dites oh là là, mais si seulement ils me connaissaient vraiment. Il y a du monde? Ok. Qui parfois a du mal à prendre sa place? Genre, vous avez envie de faire quelque chose et vous voyez quelqu'un qui prend votre place sans se poser de questions. Vous dites, mais lui, mais comment il fait? Ça doit être eux. Ça, c'est ce groupe-là. C'est eux, c'est personne. Non, ok. Donc, qui parfois, tout simplement voit que, et même l'entourage peut vous dire que vous avez tout pour réussir, et pour autant, vous n'arrivez pas à exprimer votre potentiel. Ou parfois, vous avez comme une sensation d'avoir, nous on appelle, on dit... Tu as l'impression que tu es un peu bridé, c'est ça? Comme si les chevaux n'étaient pas lâchés. Là? Ok. Ouais, sinon, étrange, tu es obligé de partir pour une bière. Ouais, c'est pour moi. Il va y avoir du sens à cette intervention aujourd'hui. Donc, rassurez-vous, pour ceux qui sont comme ça, j'avais le même problème. C'est-à-dire que moi, à l'inverse de Steven, je ne suis pas numéro 1. Enfin, j'étais pas numéro 1. J'étais ce qu'on appelle un éternel numéro 2. C'est-à-dire que mon rêve était d'être en équipe de France de savate boxe française. Tous les ans, j'y étais. Mais tous les ans, j'étais deuxième.
Donc, jusqu'en demi, en fait, pour être en équipe de France, il fallait être soit numéro 1, soit numéro 2. Et pour ça, bah, il fallait simplement aller en finale de championnat de France. Donc, moi, jusqu'en demi-finale, je Ça savais allait. que j'allais gagner. J'étais sûr de moi. Genre, en demi-finale, je savais. Je disais, mais il n'y a pas de cas, j'y vais. Et même quand sur le papier, les gars pouvaient être meilleurs que moi, en demi-finale, je les battais. Par contre, dès que j'arrivais en finale, dans les vestiaires, je savais que j'étais à côté. J'avais juste envie de rentrer chez moi. C'est-à-dire que le combat, il passait. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la salle de boxe française, c'était Pierre de Coubertin. Et pour les gens de la savate, c'est mythique. Je l'ai fréquenté. Et moi, j'étais dans les vestiaires en mode, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Et du coup, bon, je faisais le combat, j'arrivais pas à tout donner, je finissais, et je me disais, mais pourquoi je m'entraîne autant si c'est pour avoir ce type de résultat? Il y en a qui se reconnaissent dans ceux qui font du sport en compétition. Okay. Donc moi, à l'époque, j'avais commencé la préparation mentale dans mon club de boxe, on avait de la sophrologie notamment. Après, j'ai fait de l'hypnose de mon côté. Ensuite, en équipe de France, bah, j'avais de la préparation mentale. Et bah, même si ça m'avait aidé à voir les choses différemment, voir la pensée positive, etc., bah, le blocage de fond était tout le temps présent. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais continuer à chercher comment lever ce blocage. Donc, j'ai commencé à me former à l'école centrale d'hypnose, je me suis formé dans du coaching. Pareil, j'apprenais plein de choses, j'étais trop content, mais le blocage de fond était toujours présent. Et il y avait une question aussi. J'avais une question à l'époque qui revenait souvent et qui faisait comme un poids, comme une enclume au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si vous l'êtes déjà posée, c'était la question qui suis-je? Il y en a qui se sont déjà posé cette question, plus jeune, qui suis-je? Ou il y a Oui. quoi? Non, ça va. Non, on s'est déjà posé la question. Et du coup, bref, cette question pourrissait vraiment la vie. Et donc, pour décider d'y répondre, bah, je suis parti 20 jours dans un temple en méditation en Thaïlande chez des moines. Donc en vipassana, sans lire, sans écrire, sans parler. Et bon, les 5 premiers jours étaient horribles. Après, on prend comme tout, on prend le rythme, il y a le flow. Et là, en fait, au 14e jour, j'ai un truc comme ça qui vient en mode wow, je réalise que je suis tout. Et qu'il y a une partie essence en moi, et une partie existence. C'est-à-dire que là, au même moment devant vous, je peux être avec vous en train de partager ce que je connais. Et au même moment, il y a quelqu'un dans ma famille qui peut dire, ouais, Pierre, il pense vraiment qu'à sa carrière, il est là encore une fois en conférence un jeudi soir à 19h30, quoi. Et donc, je peux être jugé d'un côté et de l'autre comme deux possibilités différentes. Vous comprenez? Okay. Et donc, c'est là où j'ai continué à me former. Je dis, ok, là, je pense que j'ai capté quelque chose. Et du coup, j'ai continué à me former. Les réponses en France, je ne les ai pas trouvées. Je suis allé me former avec le docteur John de Martigny, c'est un Texan qui donnait des cours à Londres à l'époque. Donc j'allais avec lui. Et là, en fait, sur un séminaire qu'il fait, je vois que j'ai un déclic. Et je me dis, waouh, ok, là, il y a un truc à creuser ici. Du coup, je creuse, je commence avec un sportif. Enfin, là, je me dis, c'est exactement le blocage que j'avais en tant que sportif. Et donc, je commence avec un sportif, 2, 3, 4. Et finalement, on a eu des super résultats, très rapides. Notamment avec, on va en parler un peu plus loin, avec bah, 3 médailles olympiques à Tokyo, une à Pékin récemment, et avec nombreux qui sont aujourd'hui bah, numéro 1 en fait, alors qu'ils avaient du mal à être sur la première marche. Et voilà, du coup l'Académie de haute performance s'est développée depuis, comme tu l'as dit, ton prénom déjà c'est Anaïs. Comme tu l'as dit Anaïs, du coup depuis j'ai écrit 3 livres, L'identité gagnante, Entrepreneur gagnant et Préparation mentale gagnante. Donc, toujours sur cette notion d'identité et de gang aussi. Et bah, l'Académie de haute performance aujourd'hui en préparation mentale, en termes de volume de personnes qu'on accompagne, on doit être la première entreprise en France. D'ailleurs, on accompagne entre 30 et 40 sportifs par mois. Et aujourd'hui, on a notre formation, on forme aussi des préparateurs mentaux et notre technique. Et pour l'anecdote, le préparateur mental de l'équipe de France de boxe, Victor Sebastiao, qui m'a vu évoluer sur les réseaux sociaux au fil des années. Donc, il était mon préparateur mental en équipe de France. Depuis 25 ans, c'est lui le préparateur mental de l'équipe de France. Eh bien, il m'a vu évoluer. Il a dit, attends, lui, il a capté quelque chose. Et du coup, il s'est formé chez nous. Et donc, c'est lui qui a fait le préface de préparation mentale gagnante en disant, bah, voilà, OK, jusqu'ici, je faisais ça en préparation mentale avec les athlètes. Aujourd'hui, je fais de la dépolarisation en équipe de France. Donc, ce qui est plutôt cool, la boucle est bouclée. Et donc, on va pouvoir dérouler ensuite sur tout ça pendant. OK? Donc le premier pattern que j'ai repéré chez les athlètes,
c'est celle de, on est des, c'est tout bête, hein, c'est, on est des êtres humains. On n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains. Vous êtes d'accord avec ça? On est des êtres humains. Et donc, tout ce que vous allez mettre derrière le verbe être, tôt ou tard, vous allez le devenir. C'est-à-dire que l'état d'être, c'est vos pensées et vos émotions. Donc, vos pensées et vos émotions vont amener un état d'être. Ça va amener du faire. Donc, je vais être amené à faire les choses et du coup à augmenter les probabilités d'obtenir un résultat ou pas. C'est-à-dire que le résultat, l'extérieur, on n'est pas à 100% responsable de l'avoir. En revanche, l'état d'esprit qui va générer ce résultat, ça, on en est responsable. Et quand on demande à un athlète gagner, est-ce que c'est une cause ou un effet? Bah, gagner, c'est un effet en fait. Donc, quelle est la cause qui va générer cet effet? Et donc, la question à vous poser aujourd'hui, c'est si dans la vie, bah, on n'arrive pas à avoir le résultat qu'on veut, c'est est-ce que je suis l'être humain qui va me permettre d'obtenir ce résultat? Par exemple, quand moi j'étais en équipe de France, pourquoi j'étais pas premier? C'est qu'au niveau de mon subconscient, j'étais incapable de dire je vais être premier. Si on me disait ça, si je disais je vais être premier, je disais mais attends, mais je suis arrogant, c'est cela pété. Steven, t'as quelque chose là-dessus? Non, mais enfin, ça me fait sourire parce que j'ai pu échanger avec le deuxième de ma catégorie, du coup, parce qu'on s'est rencontrés pratiquement tous les ans au championnat de France. Il a fait champion de France quand j'étais pas là, j'ai eu mes blessures, et quand je suis revenu, j'ai repris la place. Et quand on a fini nos carrières, tous les deux, en fait, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu m'as jamais battu alors que tu faisais champion de France quand j'étais pas là? Pourtant, ton niveau, quand on était en tant que partenaire à l'INSEP, donc c'est l'Institut National du Sport, moi, je t'ai toujours trouvé très talentueux et j'ai jamais compris pourquoi, quand on combattait tous les deux, tu m'accrochais pas plus que ça. Et sa réponse, c'était ça. Sa réponse était, je me voyais pas gagner. Je me suis jamais vu sur la première place quand toi, t'étais là. Et du coup, j'ai trouvé ça étonnant d'avoir cette pensée-là quand on était en sportif de haut niveau, parce que j'ai jamais conçu, j'arrive pas à concevoir, pardon, le fait de faire du sport de haut niveau et de se dire, bah, je vais faire deuxième ou troisième. Enfin, pour moi, ça n'existe pas. C'est vraiment une pensée qui n'est pas possible. Donc, de voir que quelqu'un s'entraîne, quand même, on s'entraînait 5-6 heures par jour, sans compter le médical, sans compter tous les à côté. On va pas faire la fête, on boit pas, on essaie de faire plein de choses. Donc je me dis, ce mec-là, il fait autant de choses pour se dire, je vais être deuxième. Pour moi, c'était. Donc c'est pour ça que ça me fait sourire. Et ça, du coup, bah, ça, c'est le blocage qu'on retrouve avec le plus de sportifs chez nous. C'est-à-dire que, comme moi à l'époque, me dire je vais être en équipe de France, j'avais pas de problème. C'était comme si tu t'appelles comment? Je m'appelle Pierre. Par contre, dire je vais être numéro 1 et aller au championnat du monde, mais c'était mais attends, mais je suis qui? Les autres, ils s'entraînent autant que moi, etc. Et nous, tous les blocages qu'on enlève rapidement avec les sportifs avec qui on a le plus de résultats, ce sont des athlètes qui se disent, quand je dis, ok, dis-moi ton objectif à haute voix, ah mais non, ça se fait pas, c'est arrogant de dire ça. Donc ça veut dire que le corps n'a pas validé l'objectif. Et tant que le corps n'a pas validé l'objectif, eh bien on peut pas l'attirer parce qu'on n'est pas la personne qui va le manifester, entre guillemets. Et du coup, là, ça rejoint à ce que dit Steven. Toi, Steven, à aucun moment tu t'es dit, je suis qui pour être numéro 1, enfin, Non, pas du tout. ouais. J'ai Tu jamais l'étais déjà pensé à même. être numéro 2. Pour moi, je faisais tout ça parce que je savais que j'allais devenir numéro 1. Et pour vous donner un exemple de la vie quotidienne, quand tu parles d'être la personne pour avoir ce qu'on veut, exactement, un truc tout basique. Imaginez que vous cherchez une voiture, on va dire une Twingo. Le jour où vous voulez acheter une Twingo, vous voyez des Twingo partout dans la C'est rue. clair. Mais vous voyez que ça pratiquement. En fait, c'est juste que inconsciemment, c'est pas qu'il y a plus de Twingo. C'est juste que vous faites beaucoup plus attention et vous êtes beaucoup plus focus sur des choses que vous désirez. Parce que vous savez que vraiment, c'est ce qu'il vous faut. Et c'est un petit peu pareil dans le sport de haut niveau quand tu dis que effectivement, il faut un mindset pour Ouais. mettre en place des choses. Si vous ne l'avez pas de base, vous ne pouvez pas amener des choses qui vont débloquer certaines problématiques que vous avez. On a tendance à dire que
répétez les mêmes actions, vous pouvez les répéter 1000 fois, il y aura toujours les mêmes résultats. Donc si on ne change pas quelque chose en soi, en gros, ouais. Ou si on ne change pas de méthode en tout cas, ouais. on aura toujours les mêmes résultats. Exactement. Et du coup, ça me permet d'embrayer sur la deuxième chose que là, j'ai appris notamment avec le docteur John DeMartini, c'est, et ça en France, personne n'avait le process pour le résoudre, c'est, là, ce qui devient vraiment intéressant, c'est que les gens que vous allez rencontrer vont être là pour vous aider à identifier quelle partie de vous vous n'avez pas appris à aimer et accepter. Je l'illustrerai juste après. Ok, pourquoi? Parce que le truc qui m'a vraiment changé la vie, c'est qu'en tant qu'être humain, alors c'est en bleu, si vous ne voyez pas, du coup, vous pouvez vous rapprocher d'un rang. Pour ceux qui ont lu les bouquins, ce bouquin-là, vous le voyez à ce schéma-là, on le voit à chaque fois, je le fais, et pour moi, il y a tellement de choses dedans. En tant qu'être humain ici, ok, je suis un être humain. Donc une partie être, une partie humaine, une partie essence, une partie existence. Bref, on va aller dans les détails aujourd'hui. Bon, vous imaginez que ce stylo écrit. Un peu d'imagerie mentale. Donc ici, on a un trait et en fait, quand on regarde être humain, l'étymologie chez Alain Rey, du Grand Dictionnaire historique de la langue française, elle est un peu floue là-dessus, mais ce qu'on peut trouver, c'est qu'il y a être, c'est se trouver et à la fois grandir. Donc à partir de là, on se dit, ok, on est ici sur Terre pour grandir, et pour grandir, on va être soutenu et challengé de chaque côté. Donc soutenu, les choses que je vais percevoir comme bien, et challengé, les choses que je vais percevoir comme mal. Sauf que vu qu'on n'a pas appris ça à l'école, dès qu'on perçoit quelque chose qui vient nous challenger, on dit, ah c'est mal, et surtout je ne veux pas être comme ça. Donc là, la question à se poser, c'est dites-vous que toutes les personnes que vous allez rencontrer et que vous jugez de mal, sont ici pour vous aider à accepter cette partie-là chez vous. C'est-à-dire que s'il y en a qui se voient altruistes, par exemple, eh bien, et que vous dites, ok, dans l'entourage, je suis sûr que dans mes collègues de boulot, dans ma famille, il y a quelqu'un d'égoïste, eh bien, cette personne-là, si vous dites, ok, si moi je m'autorisais à être un peu plus égoïste, qu'est-ce que ça changerait pour moi? Quand je vois quelqu'un qui se la pète, qui est arrogant, qui est le premier trait de caractère qui vient chez les sportifs de niveau qu'on accompagne. Si moi, je m'autorise à plus être sûr de moi, qu'est-ce qui se passe pour moi? Moi, à l'époque, j'étais le mec sympa, mais j'étais le mec tout le temps numéro 2. Et je me définissais comme quelqu'un humble. Et je ne pouvais pas supporter les gens qui se la pétaient, ou qui étaient sûrs d'eux, qui affirmaient des objectifs sans savoir s'ils allaient les atteindre. Qui est-ce qui a été là pour me l'apprendre? Mon ex-copine. Mon ex-copine, au fond d'elle, je l'admirais parce que dès le début de l'année, elle disait, mais moi, merci. Dès le début de l'année, elle disait, moi, je vais être championne du monde. Alors qu'elle avait beaucoup moins d'expérience que moi. Et du coup, elle disait, moi, je vais être championne du monde. Moi, dans ma tête, il y a une partie de moi qui se disait, waouh, c'est cool. Et l'autre qui se disait, mais attends, mais c'est pour qui quand même? Elle vient de commencer. Et derrière, elle a dû faire peut-être 3 fois championne du monde, ça a mis quelques années, mais en 3 ans, je pense, elle l'a fait. Mais dans sa tête, elle l'était déjà avant de le devenir. C'était déjà fait. C'était déjà là. Ok, donc la question à vous poser, là, j'aime bien poser ces questions-là, c'est est-ce que les personnes égoïstes vous agacent? Est-ce que les personnes qui se la pètent aussi? Est-ce que les personnes, dans les métiers de l'accompagnement, souvent, on a les personnes illégitimes? Les personnes qui n'ont pas les compétences, mais qui se mettent en avant? Si quelqu'un vient et vous dérange là-dessus, vous êtes en train de dire quoi? Vous êtes en train de dire à votre subconscient, j'ai surtout pas envie d'être comme ça. Et donc, vous allez tout faire pour ne pas obtenir le résultat que eux ont, inconsciemment. Si je prends l'exemple de Jessica, Jessica, elle était, quand on a commencé à travailler ensemble en 2019, toutes les compétitions qu'elle faisait, elle était en jet ski à bras. Elle était 4e, 5e, 4e, 5e. Première séance, qui est-ce qui t'agace le plus? La première, elle est arrogante. Ok? Donc là, on fait un process de dépolarisation qui dure plus de 2 heures. Et à la fin, elle voit le truc, et elle lâche, et elle s'autorise à être perçue comme ça. Donc le début de chaque réussite, c'est d'abord une autorisation.
L'autorisation est la première étape de la réussite. Okay. Autorisation, attraction, c'est-à-dire, comme l'a dit Steven tout à l'heure, au moment où je suis autorisé, je commence à voir toutes les possibilités qu'il y a. Ensuite, action, enfin, action, il y a le prix à payer aussi, action et résultat. Mais là, du coup, au moment où elle lâche la charge là-dessus, elle se dit, mais en fait, mais moi aussi, j'ai le droit d'être comme ça. Donc, son corps valide. Ça, et tu, ok, c'est quoi maintenant ton objectif? Bah, être championne du monde. Et là, en 2 heures, il n'y avait plus de charge émotionnelle. Ce qui se passe, c'est que 6 semaines après, elle fait son premier podium. 3 mois après, elle fait championne du monde. On était en 2020 avant Covid. 2022, elle fait pas de perf. 2021, et 2023, elle refait championne du monde. Et 1, 2, 1, 2. Elle refait championne du monde et elle est élue pilote, meilleur pilote de jet ski toutes catégories confondues. Ça me fait penser à, dans le sport de haut niveau, quand je vivais à l'INSEP. Donc à l'INSEP, c'est un centre olympique où il y a pratiquement tous les sports olympiques qui vivent au même endroit et qui dorment au même endroit. On mange en même temps, on dort en même temps, on va à l'école en même temps, etc. Donc on fréquente beaucoup, beaucoup de sports. Il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, dont tu parles là aujourd'hui, c'est, enfin moi je te l'ai dit, hein, je l'ai exprimé de cette façon-là, mais en tout cas c'est la peur de la réussite. C'est clair. Si vous saviez le nombre de sportifs de haut niveau qui se sabotent tout seuls à l'arrivée de la finale, c'est incroyable. J'ai vu, je ne sais pas combien de sportifs sur des compétitions de mon sport taekwondo louper des coups de pied que jamais de la vie ne loupent. C'est impossible de louper. Des choses très flagrantes. Hein. Et juste avant le combat ou pendant la pause, le discours change littéralement à partir du moment où il commence à gagner. C'est-à-dire que vous le voyez même dans le combat, alors dans les sports de combat, encore plus les filles, regardez bien, en boxe ou en boxe thaï, peu importe, il y a des moments où il y a des personnes qui vont mener de je ne sais pas combien de points, et au bout d'un moment, ils ne savent plus gérer ni la victoire, ni l'émotion qu'ils ont à ce moment-là, et parfois même, il y en a qui se démotivent alors qu'ils sont en train de gagner. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si vous avez déjà entendu des sportifs le faire. Des sportifs qui sont en train de gagner, par exemple 2-3 points d'avance. À haut niveau, il y en a beaucoup qui le font. 2-3 points d'avance. Et je ne vais pas dire naturellement, mais en tout cas, quand ils arrivent sur la chaise pour être coachés, ce n'est plus du tout le même discours. Alors qu'ils sont en train de gagner. Ils sont en train de gagner et ils commencent à avoir des doutes. Ils perdent leur combat et à la fin, quand on leur pose la question, ils te sortent des excuses qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir perdu. Et ça, il y en a un paquet dans le sport de haut niveau. Ouais, exactement. Et si vous questionnez, si vous avez la chance de voir un athlète qui se plante comme ça, si vous lui dites tout simplement, est-ce que c'est facile pour toi de te voir champion du monde? Il y a de grandes chances qu'il réponde non. Non. Il va vous dire, bah non, mais je suis qui? Tu te rends compte? Il est quand même ici, le titre et tout. Il y en a très peu qui y arrivent, etc. Donc, ça revient au premier point qu'on a mis. Ils ne sont pas dans la tête, ils sont, mais dans le corps surtout. Ils ne sont pas l'être humain qui va générer ce résultat-là. Et je dirais même plus, c'est que, encore plus dans les sports de combat, je trouve en tout cas, j'ai fait beaucoup de sports, mais on a toujours tendance à surestimer son adversaire. Ouais. Quand je dis surestimer, c'est que je ne parle pas techniquement ou physiquement ou autre. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit toujours son adversaire sans défaut. C'est-à-dire qu'il n'est jamais blessé, il ne peut pas avoir une gastro, il ne peut pas avoir 30, 42 fièvres, ce n'est pas possible. Dans les sports de combat, en tout cas quand je combattais, au début, j'avais du mal parce que je ne voyais pas mes adversaires avec des défauts. Ce n'était pas possible pour moi. Pour moi, il n'y a que moi qui avais des défauts, qui pouvait tomber malade, qui avait un doigt cassé, qui avait un orteil cassé. J'arrivais en compète, j'étais toujours diminué. Mais pour moi, eux, ils étaient toujours à 100%. Jusqu'au jour où je me suis intéressé un peu plus à l'imagerie mentale, à la sophrologie, à beaucoup d'autres choses. Et c'est vrai qu'au final, quand on arrive sur une compétition de haut niveau ou pas de haut niveau d'ailleurs, hein, peu importe, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la compète, personne n'est jamais à son 100%. C'est impossible physiquement. C'est pas possible. Et du coup, ça ramène sur le point qui est de ne pas se comparer aux autres. Ça, c'est vraiment important aussi. Parce que dès qu'on se compare à quelqu'un, on fait quoi? Soit on va se minimiser. Vous savez, quand vous vous minimisez par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, c'est-à-dire un dogme social, quand vous avez un « il faut », un « je dois », vous avez l'impression de forcer.
Vous avez l'impression de faire énormément d'efforts et c'est comme si vous nagiez à contre-courant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu cette sensation. Vous vous dites, mais pourquoi l'objectif, il n'arrive pas, je suis là. Eh bien, très simplement, c'est un, soit parce qu'il y a la polarité sur laquelle on a vu tout à l'heure, vous empêcher parce qu'il y a un conflit de valeurs en fait. Ok, mais si je vais vers ça, ça veut dire que finalement, je n'ai pas envie d'être arrogant, je n'ai pas envie que les autres me perçoivent arrogant ou égoïste. Du coup, il y a un conflit de valeurs là-dessus. Soit, justement, ça revient à, on se minimise par rapport à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on voit un de nos collègues faire ça de cette manière, être super performant, on se dit, ah ben moi, je vais faire ça de la même manière. Sauf qu'on est tous différents. Chaque être humain a ce qu'on appelle à l'Académie de haute performance un système de priorité intrinsèque. Le système de priorité intrinsèque, c'est très simple. C'est quand vous faites les choses de manière naturelle. Vous faites les choses de manière naturelle. Naturellement, vous avez envie de plus, de faire mieux. Naturellement, vous êtes naturellement compétitif envers vous-même. Naturellement, le temps ne passe plus. C'est-à-dire qu'il y a l'impression que le temps est arrêté et puis on fait juste les choses. Est-ce qu'il y a des domaines de vie où vous êtes comme ça? Naturellement, vous faites les choses. Et souvent, on a tendance à le dévaloriser parce qu'on se dit, mais ça, c'est normal que je fasse ça. Mais sauf que c'est pour ça que ce qui est dur avec le talent, c'est que le talent, c'est tellement facile pour nous qu'on ne se rend pas compte que c'est très dur pour les autres. Moi, je sais que dans l'entreprise, j'ai mon assistante Alexandra, elle kiffe la compta. On voit toutes tes factures et tout, elle kiffe ça. Et je dis, mais comment elle fait? Moi, si je fais ça, mon corps, il souffre. Je fais un burn-out. Et non, donc ça, c'est important pour vous d'être capable d'identifier votre système de priorité intrinsèque. Pour vous et et aussi pour vos enfants, pour ceux qu'on a. Parce que chaque être humain pense par rapport à ce qui est prioritaire pour lui que ça devrait être prioritaire pour les autres. Et donc, on juge en fonction de ça. Exemple, avec un entrepreneur que j'avais accompagné, il dit « Ouais, ma fille, franchement, j'aimerais bien que tu la vois parce qu'elle n'a pas de mental. » Je dis « Mais comment ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Il fait « Bah voilà, l'autre fois, on a fait une sortie vélo et clairement, elle a abandonné. » D'accord ? Qu'est-ce qu'elle aime, ta fille ? Elle aime le piano. Ok ? Elle peut jouer des airs. Ah bah ouais, non mais clairement, des fois, le dimanche, on est obligé de lui dire « Arrête-toi. » Et toi, t'as le piano, t'es comment ? Ah non, moi, c'est bon, j'ai essayé une fois, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Ok, donc ce que t'es en train de me dire, c'est que toi, au piano, t'as pas de mental. Wow. Donc, ce que t'es en train de me dire, c'est que ta fille a du mental dans ce qu'elle aime et a pas de mental dans ce qu'elle aime pas. Logique. Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Et moi, pour avoir accompagné aujourd'hui avec mon équipe des milliers de personnes, c'est plus de 1000 qu'on a passé, on voit que chaque être humain, peu importe qui il est, a du mental dans ce qui est important pour lui. Chaque être humain n'a pas de mental dans ce qui est pas important pour lui.